Voilà la boîte. Voilà, on va prendre comme ça. Donc on va l'ouvrir. Tac. Bon, c'est une boîte, c'est vraiment tout ça. Donc il fait 43 par 28 par 9 cm, soi-disant. Donc voilà, tac. Donc on le déballe. Tac, voilà! Donc ça, c'est quand vous n'arrivez pas à dormir, c'est vos petites lectures du soir. Ça aide à s'endormir. Parce que quand vous lisez ça, vous êtes sûr de vous endormir. Hein. Tac. Donc moi, je vais prendre un gonfleur que j'ai. Je pense que c'est ça. Eh ben non. Même pas. Ah. Eh ben, une heure de gestion, vous allez gonfler à la main. Donc, eh ben, je vais voir ce que je peux trouver. Ben non, en fait, je réfléchis, mais je n'ai rien. J'entends qu'il se dégonfle. C'est de là. Je pense que de toute façon il est gonflé, hein. Il a peur de se gonfler plus. Donc voilà, ça donne ça. Même si vous pouvez peut-être le gonfler un peu plus, mais ce ne sera pas beaucoup plus. Hein, parce qu'au niveau du toucher, on sent bien que on est à la limite. Bon, on va tester. Hein. Tac. Tac. Comme ça, on va pouvoir permettre de se rendre compte. Déjà, il y a une odeur. Ah, c'est horrible. Une odeur de poisson ou je sais pas, ou poulet, c'est très bizarre. Et puis après, il y a une odeur de plastique derrière. Alors après, est-ce que c'est parce que c'est dans le transport qu'il a pris une odeur? Je sais pas, mais. C'est très. Moi perso, je le trouve quand même assez fin, hein, parce qu'une fois qu'on se met la tête dessus, c'est quand même très fin. Niveau épaisseur. Alors, du coup, comme vous voyez, niveau épaisseur, j'ai du mal à croire qu'il y ait 10 quand même. Attendez, je reviens. Du coup, me revoilà. Du coup, là, on va permettre de se rendre. Oh. Sans vous mentir, moi j'ai 7,5. Et je prends. Allez. Je prends large. Même en prenant large, j'ai 7,5. Donc,43 par 28 par 9, déjà les 9 cm, ils y sont pas. Après,
Ma règle a fait 25. Donc là, on est bien au 28, parce qu'on voit qu'il y a à peu près 3 cm. 43. Là. Tac. Vraiment en prenant plus large. Ouais, vous voyez, même en prenant large un peu devant et là, moi je n'ai pas 43, là je trouve 41. Donc même si voilà, il n'y a pas 43, c'est sûr qu'il n'y a pas 43. Donc déjà c'est un peu de la mensonge. Enfin c'est du mensonge. C'est du mensonge. Parce que là quand même, on va dire 2 cm en longueur. Et presque un centimètre, ouais, un bon centimètre et demi en moins hauteur, bah ça fait quand même un sacré marge d'erreur. Voilà. Après il y a marqué. D'accord, donc il n'y a pas de français. Donc comme ça. Bon, au moins comme ça, ça vous permet d'apprendre l'anglais. Mais sinon, voilà, c'est pas terrible. Ça vaut pas cher, hein, mais. Déjà, voilà, bon, je vais vous faire une conclusion. C'est rapide. Du coup, comme vous l'avez vu, ce magnifique coussin. Déjà, la bouche de gonflage, déjà, c'est sûr. C'est pas un truc standard, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas des bouches standards, parce que le bouche standard, c'est ce que j'ai sur l'appareil là, qui est neuf, qui doit avoir un an, et c'est sur maintenant tous les matelas gonflables, les trucs comme ça, c'est comme c'est avec ces bouches là. Donc là, déjà ça, c'est pas aux normes, donc pour trouver un embout pour le gonfler, sinon vous le gonflez pas top top, donc c'est pas terrible.